La cité tricasse qui s'apprête à revêtir ses habits de saison avec la pose cet après-midi d'une toute nouvelle pelouse sur le rond-point du Vouldir, un travail effectué par le service des espaces verts de la ville, et ce dans le cadre d'une politique municipale écologique qui privilégie le vert, l'aspect naturel et l'absence de produits phytosanitaires en installant davantage de plantes vivaces, moins gourmandes en eau, comme ici, avec du buis en forme de vague pour rappeler l'eau. Et des prairies naturelles également, un retour à la nature et un message à l'attention des habitants. Écoutez le détail de cette politique municipale qui va d'ailleurs sans doute obtenir un label avec Marc Brett, maire adjoint en charge de l'environnement. Il est au micro de Benoît Leroy et Grégoire Vézier. Nous cherchons à référencer un certain nombre de nos parcs et de jardins avec un référentiel qui s'appelle EVE. EVE, ça veut dire espace vert écologique. C'est un référentiel qui est délivré par un organisme qui s'appelle EcoCert. EcoCert, c'est un organisme parfaitement indépendant qui est encadré par les pouvoirs publics. Et c'est un organisme avec lequel nous travaillons donc pour essayer d'obtenir ce label. Et puis le deuxième message très concret en direction des Troyens, c'est de leur dire le pourquoi, le sens, si vous voulez, de notre démarche, de ces changements, et de leur dire, bah, si vous avez chez vous, dans votre espace privé, de la verdure, des espaces verts, on vous invite à mettre en œuvre ces changements, si vous voulez, en faveur de l'écologie et de l'environnement.